Le The One and Only Patrick Rondin, il est à côté de moi et donc il joue ce soir. Donc comment est-ce qu'il va bien, Patrick Rondin, plutôt déjà? Bah écoute, pas trop mal, hein. C'est ouais, pas pire que d'habitude. Bah ouais, d'accord, ok. Et alors moi je suis hyper content parce que je suis un petit peu, c'est un peu de ma faute si Patrick est là, puisque c'est moi qui ai été l'entremetteur avec Patrick Marco, directeur du conservatoire du festival, qui est méga grand fan de toi, donc c'est cool ça. Bah, c'était le seul, donc c'était, ouais. c'était bien que tu le rencontres. C'était le dernier, c'est c'était ça, le dernier, oui, bah, pour un mec qui a quand même de la mémoire. Ouais. Donc on sait qu'il est en pleine forme physiquement. Bon, très bien. Et donc là, tu le sens bien pour le concert de ce soir? Patrick Marteau, ton concert, je veux dire. Moi, ça sera après, je te dirai ça. Ouais, d'accord. Je peux pas te dire avant, on va tout faire pour. Bah, excellent. Comment tu trouves ça bien, plutôt? C'est beau, c'est un beau salon, il y a des beaux instruments, il y a une bonne ambiance. J'espère que les gens seront au rendez-vous, qu'ils arriveront à trouver de l'essence pour venir nous retrouver. Ouais. Il paraît que c'est un peu un problème. C'est un peu compliqué, ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses dont il faut absolument qu'on parle pour Patrick Rondin pour 2022-2023, genre un potentiel album? Non, il n'y a rien de spécial. D'accord. De ce côté-là. Ok, très ça bien. Devient terrible, ouais. Hein, ça devient terrible. Bah, écoute, ça devient un running gag, mais écoute, au moins il y a la partie gag, quoi, c'est bien. Ouais, de toute façon, ouais. L'album sera un gag en lui-même. D'accord, hein, ok. Super. Et bah, écoute, on a bien hâte de te voir tout à l'heure en concert, c'est Patrick. Gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.